Voilà, je vais vous chanter maintenant une petite chanson que j'ai intitulée « Papa, maman, la bonne et moi ». Remarquez, cette chanson-là, j'aurais pu la chanter depuis longtemps déjà, parce que il y a quelque temps déjà, j'avais été voir un directeur d'une maison de une maison qui font des machins, quoi. Et alors là, le directeur m'avait reçu très gentiment, j'avais dit, j'ai une chanson. Oh, ben, il m'avait dit, mais sûrement. Il dit, écoutez, il dit, pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais il dit, laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Et effectivement, il m'a rappelé. Entre-temps, moi, j'ai fait mon service militaire, mais on n'était pas à 5 minutes, pas. Alors là, il m'a rappelé et il m'a dit, nous vous attendons cet après-midi sans faute à 3 heures. Alors, pensez, moi, j'ai... Alors là, on a bavardé, tout ça, il m'a reçu très gentiment. Et on a causé, quoi, une dizaine de secondes. Et alors, il m'a dit, écoutez, maintenant, je vais pouvoir faire ça rapidement. Soyez tranquille. C'est... Alors, vous pensez, quand je suis rentré à la maison, moi, je l'ai dit à papa, j'ai dit, ben maintenant, il me dit oui, oh, ben, il me dit, si t'as reçu comme ça, maintenant, t'as le pied dedans. Il m'a pas dit dans quoi, mais je... Enfin, maintenant, ça y est, je vais vous chanter « Papa, maman, la bonne et moi ». Allez-y, monsieur le... Oui, dites, monsieur l'accompagnateur, vous êtes, je sais, vous êtes bien payé, mais tapez pas trop fort quand même, parce que faut qu'on puisse entendre l'artiste. « Papa, maman, la bonne et moi ». Je suis de nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry, et vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour un garçon, c'est merveilleux, papa, maman, la bonne et moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament, papa, moi, la bonne et maman. L'été, on va au Sable d'Olonne, papa, maman, moi et la bonne. Quand on vient, il nous reste 20 francs, papa, moi, la bonne et maman. Il nous reste 20 francs, donc faut pas exagérer quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Père l'amoureux est fonctionnaire, maman est fille d'horticulteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. J'ai mis brevet parce que certificat d'études ça prend trop de place. Non, enfin ça c'est une affaire personnelle. Un grand oncle et pas de petite sœur, mais vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour plaire aux dames, on ne fait pas mieux. Papa, maman, la bonne et moi. On a une radio qui ne marche pas, un très vieux piano qui détonne. Papa, maman, moi et la bonne. Samedi, on va au cinéma. Maman, la bonne, moi et papa. Le dimanche, on va chez des parents. Papa, moi, la bonne et maman. Et alors là, c'est agréable parce qu'il y a toute la famille. On est tous là. Alors, il y a grand-mère, il y a grand-père. Tout ça, on se paye de ses bringues, mon vieux. On boit des verres pleins de cidre. La vie n'est pas une chose amère quand on la prend du bon côté. Nous avons tous nos petites misères, mais faut savoir s'en arranger. Faut se débrouiller pour être heureux, même si on se nomme pas l'amoureux. Papa, maman, la bonne et moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%. Papa, moi, la bonne et maman.